D'accord, très bien. Durant cette présentation, on va voir d'abord donc une petite introduction extrêmement brève sur le TAVI, les indications en 2020, la technique elle-même et ses résultats en 2020, les challenges qui nous restent et finalement une petite conclusion et une ouverture sur le TAVI en Algérie qui, j'espère, va rapidement pouvoir démarrer ou pourrait démarrer des programmes similaires aux nôtres. Donc en introduction, tout le monde sait que la maladie aortique et le rétrécissement aortique serré, ça représente quand même beaucoup de patients en France. C'est la valvulopathie la plus fréquente, en tout cas en France. Et le plus souvent, ça va toucher des patients âgés. Donc là, je vous apprends absolument rien. Ce qui est par contre important, c'est qu'il n'y a aucun traitement pharmacologique pour prévenir ou pour ralentir l'évolution du RAO serré. Et ce RAO serré va être grévé lorsqu'il est symptomatique d'une mortalité très importante, puisqu'on a plus de 50% des patients qui vont décéder dans les 2 ans, hein, après le diagnostic d'un RAO serré symptomatique. Donc c'est vraiment quelque chose de fréquent, de grave, et pour lequel il y a très peu de traitements médicamenteux, hein, contrairement à la coronaropathie ou l'insuffisance cardiaque. Donc les indications du TAVI ont beaucoup évolué. Donc là je vais vous présenter les indications en 2020. Donc c'est vrai que ça a démarré par de l'évidence, c'est-à-dire des essais randomisés. Donc on a commencé, vous le savez tous, en 2002, donc maintenant il y a quasiment 20 ans, avec le professeur Cribier, qui a traité un premier patient qui était relativement jeune, mais qui était dans une situation très critique, puisqu'il avait un cancer du pancréas métastatique, et son espérance de vie était extrêmement courte. On savait qu'il allait décéder de ce cancer, mais il faisait des OAP permanents, et donc il a finalement, en 2002, réalisé pour la première fois cette procédure chez ce patient, avec un succès technique et une survie du patient qui a permis de passer quelques mois de plus dans un état d'insuffisance cardiaque amélioré. Depuis l'invention de cette technique chez l'homme, on a eu beaucoup d'essais. Hein. Vous voyez, c'est principalement des essais américains, en fait, hein, des gros essais randomisés, les essais partenaires qu'on connaît bien avec la valve Edwards et les essais Corvalve, puis Evolut Low Risk, hein, qui sont des essais avec la valve Evolut. Et donc, ces essais randomisés ont prouvé d'abord la non-infériorité du TAVI versus traitement médical en fait chez le patient qui était contre-indiqué à une chirurgie. Puis ensuite on s'est déplacé vers les patients qui étaient au risque chirurgical, puis vers les patients à risque modéré. Et maintenant en 2019 on est sur les patients à bas risque, hein, puisque c'est Partner 3 Evolut Low Risk, hein, ce sont des études qui comparent le TAVI à la chirurgie de remplacement valvulaire aortique pour les patients à bas risque. Donc bien sûr, du fait de cette évidence dans les études, les recommandations changent un petit peu, hein, principalement sur les recommandations américaines et européennes. Hein. Et vous voyez que suite aux premiers essais chez les patients contre-indiqués à la chirurgie ou à très haut risque, le TAVI a pris une place, hein, un grade 1 pour le patient contre-indiqué, donc chez lequel il n'y a pas d'autre solution, grade 2A chez le patient à haut risque. Puis finalement, le temps passant, hein, les recommandations ont été réactualisées en 2017. Et le TAVI est proposé en grade 1 chez le patient à haut risque chirurgical. Et donc, on avait des données chez le risque intermédiaire, mais ça n'a pas été mentionné dans les recommandations européennes. Maintenant, depuis, on a les résultats risque intermédiaire et résultats bas risque à 1 an avec Partner Evolut Low Risk. Donc, on attend les recommandations du mois d'août, hein, donc fin août, à l'ESC qui sera virtuel. Et donc, évidemment, on attend une place dans le risque intermédiaire, à savoir comment elle va se positionner. A priori, ce sera sûrement du 2A. Et bien sûr, on a la grosse question, c'est sur le bas risque, hein, puisqu'on a uniquement des résultats à 1 an de Partner et d'Evolut Low Risk. Donc on ne sait pas encore quelles seront les classes de recommandation dans cette indication. Évidemment, avec les indications qui s'élargissent, ben, le taux de TAVI, hein, a énormément augmenté en France, hein, puisque vous voyez ces données là qui nous sont fournies par l'industrie. En 2012, il y avait beaucoup plus de remplacements chirurgicaux en bleu que de TAVI, et dans le temps, une augmentation croissante continue du TAVI jusqu'à dépasser le nombre de RVAO biologiques en 2018. Et voilà, donc ça continue à augmenter. Le taux de RVAO biologique stagne, voire même probablement va commencer à diminuer, hein, puisque si le risque intermédiaire et le bas risque passent au TAVI, on peut penser qu'il y aura un nombre de chirurgies qui va quand même diminuer. Donc on est passé sur un nouveau paradigme, hein, puisqu'en 2012, on était chez les patients à haut risque, âgés, hein, voire même contre-indication à la chirurgie. Cela, on pouvait envisager le TAVI, donc c'est vraiment une deuxième intention après avoir vraiment bien considéré la chirurgie. Finalement, depuis ce temps-là, on a eu beaucoup de données randomisées, on a des devices qui sont améliorés, on va le voir après. On a des opérateurs qui se sont eux aussi améliorés parce que le nombre de procédures a augmenté.
Et finalement, en 2020, on est passé sur un paradigme qui a complètement changé. C'est-à-dire que pour le patient symptomatique d'un RAO serré, on envisage en première intention un TAVI, sauf chez le bas risque, on va le voir après. Et si le TAVI n'est pas réalisable, on considère une chirurgie de remplacement valvulaire aortique. Donc on voit les choses complètement à l'envers hein, dans le prisme depuis 2012. En 2012, c'était chirurgie d'abord, et si pas de chirurgie possible, peut-être TAVI. Maintenant, c'est TAVI d'abord, et si TAVI pas réalisable ou avec des risques trop élevés, on considère la chirurgie. Donc les indications, puisque c'est un petit peu le but de la première partie de cette présentation, on a des indications qui sont acquises au vu de la littérature. C'est le RAO serré sur valve native à risque intermédiaire à haut, voire bien sûr contre-indiqué à la chirurgie. Donc chez ces patients-là, ce sont des indications qui sont dans les recommandations. Pour le risque intermédiaire, c'est une recommandation américaine, mais pas européenne, mais ça va probablement arriver dans un mois. Et donc là, voilà, c'est ce qu'on appelle le quotidien. Mais en plus de ces indications acquises, on réalise en pratique courante beaucoup de TAVI sur des patients qui sont en dehors de cette case. En particulier le valve-in-valve aortique, hein, et on a publié hier dans le JACC une belle analyse dont je vais vous parler un petit peu après. Le patient qui souffre non pas d'un RAO sur valve native tricuspide, mais sur valve bicuspide. Les patients qui ont des RAO serrés bas débit, bas gradient. Les patients qui souffrent d'insuffisance aortique pure. Et les patients pour lesquels on va faire un TAVI non pas aortique, mais un TAVI mitral en termes de valve in valve. Et des indications beaucoup plus sujettes à discussion en 2020, ce sont les patients qui sont porteurs d'un RAO serré, mais qui sont à bas risque chirurgical. Là, on ne va pas trop en parler, mais effectivement, on a eu des études PARTNER 3 Evolut low risk, qui ont eu des résultats publiés un an où le TAVI fait mieux, hein, voire enfin, fait mieux dans PARTNER, mais non inférieur dans Evolut low risk. Mais on attend les données à 2 ans qui sont non publiées, mais qui semblent montrer que là, le temps allant, le TAVI fait un petit peu moins bien finalement que ce qu'on pensait. Donc c'est encore sujet de discussion pour le bas risque. Bien sûr, en pratique clinique, les indications elles vont dépendre non pas que de la valve aortique, mais des autres valves. Hein. Il est très important de prendre en compte les autres valves. Et en haut de cette diapo, vous voyez chez le patient qui a un problème de mitral regurgitation, c'est-à-dire d'insuffisance mitrale qui est quand même extrêmement fréquent. Donc là, ça change un petit peu notre prise en charge, s'il y a en plus du RAO serré une autre valvulopathie. Et premier problème, c'est de savoir si le patient est chirurgical. S'il est chirurgical, eh bien sûr, on va essayer de l'opérer pour ces deux valves. Ça paraît beaucoup plus logique et ça paraît la solution de première intention. Par contre, s'il n'est pas chirurgical, on pourra procéder d'abord à un TAVI en général, puis ensuite à un traitement de sa valve mitrale, qui dépend de l'étiologie et de la technique, mais qui est principalement le mitraclip actuellement. Dans le cadre des sténoses mitrales, beaucoup plus rares chez nous, mais peut-être un petit peu plus fréquentes chez vous, hein, là encore, si le patient est chirurgical, on va vers une chirurgie des deux valves. S'il n'est pas chirurgical, on fera d'abord un TAVI, puis secondairement une valvuloplastie mitrale dans ce papier qui ne fait pas forcément foi de recommandation. On pourrait très bien imaginer faire d'abord la valvuloplastie mitrale et en cas de déchirement de la valve mitrale, procéder à un double remplacement valvulaire. Enfin, ça va vraiment dépendre du patient. Chez nous, cette problématique se pose très peu, puisqu'en général, les patients avec un rétrécissement mitral, c'est des patients très très jeunes chez nous, qui sont à bas risque chirurgical et qui sont en général opérés. Et bien sûr, si le patient a un problème d'insuffisance tricuspide, hein, vous savez que c'est beaucoup à la mode, là encore, est-ce qu'il est chirurgical? S'il est chirurgical et à bas risque chirurgical, pourquoi pas remplacer les deux valves? Mais sinon, en général, on fait un TAVI et on réévalue ensuite la tricuspide, quitte à proposer maintenant éventuellement le triclip, mais qui vient d'arriver dans nos centres depuis quelques mois, donc qui n'est pas du tout encore quelque chose dont on a l'expertise chez les patients TAVI. Donc, on l'a dit, en 2020, pardon, l'indication pour nous, c'est le RAO serré sur valve native tricuspide à risque intermédiaire ou à risque haut. Donc, ce qu'on fait pour classer ce patient en risque intermédiaire ou haut, c'est un score, et vous savez que les deux scores qu'on utilise, c'est le score STSS et Euroscore. Donc, nous, on le fait en pratique systématique, on le fait apparaître dans le dossier du patient. On discute ces patients dans une Heart Team qui a lieu tous les jeudis matin à 7h30. Lorsque j'entends Heart Team, c'est-à-dire qu'il y a forcément un cardiologue interventionnel, un chirurgien cardiaque, un cardiologue médical qui s'occupe des valvulopathies interventionnelles et un réanimateur anesthésiste, en fait. Et bien sûr, on amène dans la discussion les éléments du patient, c'est-à-dire une biologie avec l'insuffisance rénale, enfin, bon, des choses très classiques, une échographie cardiaque, un scanner fait partie du bilan minimum, on verra un petit peu tout à l'heure dans la procédure. Et aussi une coronarographie, puisqu'en cas de lésion coronaire, on essaye de les traiter avant de réaliser un TAVI, ou en tout cas, ça pourra participer à la discussion s'il y a des lésions chirurgicales à revasculariser.
Mais finalement, les risques intermédiaires ou les risques hauts, hein, RAO serré, ça correspond à énormément de patients dans notre activité clinique à la Timone. Donc finalement, une des questions, c'est y a-t-il un âge limite? Est-ce qu'il faut, voilà, par exemple, s'arrêter après 90 ans ou est-ce qu'il faut continuer à faire des TAVI après 90 ans? Et donc nous, on procède à une évaluation gériatrique systématisée. Donc là, vous voyez qu'on fait intervenir un service même hein, de gériatrie qui s'occupe de ça et qui a des praticiens qui sont spécialisés dans l'évaluation du patient âgé. Alors là, je vais parler de nonagénaire, mais ce n'est pas forcément des patients nonagénaires, c'est vraiment l'évaluation. Ça peut être à partir de 80 ans dans certains cas, si on a un petit doute sur leur autonomie. Et ces patients-là, hein, puisque vous avez vu que les indications sont très larges, on peut traiter beaucoup de patients, ces patients à risque gériatrique, il faut les évaluer de façon, encore une fois, globale, donc à des équipes spécialisées, c'est-à-dire en plus de nous, il faudra des neurogériatres, et ils vont évaluer tout un tas de choses, hein, la nutrition, l'état nutritionnel, l'autonomie, l'état neurologique, l'environnement du patient, son état cognitif, etc. Donc tout un tas de paramètres. Et en fait, nous, on s'est intéressé, on a publié un papier dans l'Euro-intervention l'année dernière, sur le pronostic des TAVI qui sont faits chez les patients nonagénaires, c'est-à-dire après 90 ans, donc les patients vraiment dans le grand âge. Et on voit bien sûr que chez ces patients avec un RAO serré, si on ne fait rien, c'est-à-dire les patients médicaux en bleu, ben ils vont mourir. Hein. Ils ont une espérance de vie qui est de 50% à 2 ans, ce qui est tout à fait connu. Hein. Alors que si on fait un TAVI, effectivement, on va améliorer leur pronostic. Hein. Donc forcément, hein, et c'était attendu, le TAVI chez les patients nonagénaires fait mieux que le traitement médical. Il n'y a pas de grosse surprise, probablement parce qu'on a sélectionné des nonagénaires en bonne forme chez qui on a fait un TAVI, etc., etc. De façon assez intéressante, il y a même des patients qui sont opérés hein, chez les nonagénaires d'un remplacement valvulaire aortique. Entre 2010 et 2020, ça représente 110 patients en France, donc c'est extrêmement rare. Mais là aussi, chez des patients probablement hyper sélectionnés, hein, le TAVI fait à peu près jeu égal avec la chirurgie chez ces patients nonagénaires. Et finalement, est-ce que le TAVI chez les patients nonagénaires est équivalent au TAVI chez les patients de moins de 90 ans? Ben, de façon non surprenante, on voit que les patients qui ont plus de 90 ans en rouge ont une mortalité, et là c'est un critère combiné avec des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque, etc., ont un pronostic un petit peu moins bon. Donc forcément, lorsqu'on va dans le grand âge, on fera mieux que le traitement médical en faisant un TAVI, mais quand même, on n'aura pas des résultats aussi bons que chez le patient plus jeune, et ça c'est quelque chose de tout à fait normal. Et donc ça aussi, ça met en valeur le fait qu'il faut très bien sélectionner les patients hein, lorsqu'on va dans le grand âge. Et on a à disposition pour sélectionner ces patients, en plus de l'évaluation là que je vous ai présentée, c'est-à-dire globale, neurologique, gériatrique, etc., on a des scores et on a publié cette année, il y a d'autres publications, là je mets en valeur nos travaux évidemment, hein, mais il y a d'autres publications, on a mis en évidence un score de futilité hein, qui effectivement, plus le score est élevé, plus il y a de points, plus il y a un risque de futilité de faire l'intervention TAVI, c'est-à-dire plus on sait que le patient de toute façon va mourir. Et effectivement, les patients qui auront un score inférieur à 4, ben, ils vont avoir un bon pronostic. Hein, et ce score, il est donné à titre informatif, on ne le remplit pas pour tous les patients, mais on va s'y intéresser pour les patients qu'on estime à haut risque. Hein, c'est-à-dire si le gériatre ben, nous a dit, voilà, l'évaluation n'est pas très en faveur d'un TAVI, ben, on va peut-être considérer ce score de futilité. Et bien sûr, dans ce score de futilité, on voit que les patients qui ont un score bas, hein, c'est-à-dire de moins de 4, ont quand même une survie de 90% à un an après le TAVI. On sait que de toute façon, pour proposer un TAVI en France, il faut que l'espérance de vie soit supérieure à un an. Donc on est quand même satisfait lorsqu'on voit que dans le score de futilité faible, 90% des patients sont toujours survivants à un an. Donc deuxième indication un petit peu, on va dire quotidienne, mais hors recommandation, hein, c'est le valve-in-valve aortique. Donc c'est quelque chose qui est fréquent. Et quand dans notre centre, ça représente 4 à 5% des TAVI qu'on réalise donc dans l'année. Hein. Et la problématique, c'est qu'on va mettre une valve biologique, donc un TAVI, dans une valve biologique qui souvent enfin, qui évidemment a dégénéré, hein, puisque ça indique le TAVI. Et donc les prothèses qui dégénèrent sont souvent des prothèses qui ont un mismatch et qui sont de petite taille. Donc c'est des prothèses chirurgicales de 19 ou de 21 qui dégénèrent après 5 ou 7 ans, hein, disons. Environ, hein, chez lesquels on va remettre une valve dedans, et donc une valve qui sera forcément pas très grosse, puisqu'on est dans un anneau petit, avec un risque d'occlusion coronaire qui peut être important. La technique elle-même est très simple, hein, c'est-à-dire qu'on a des applications, en particulier iPhone ou Internet, et des ABAC qui nous disent voilà, la prothèse chirurgicale, nous on regarde le contrôle chirurgical, il y a écrit la mine Perimount 21,
Hein, et donc, en fonction de ça, on sait la surface de la prothèse et on sait quelle valve on va pouvoir utiliser. Je n'ai pas mis la photo de la bague, mais en fonction, voilà, on vous dit pour la Perimount 21, vous pouvez utiliser une Evolut 23 ou une Sapien 320, par exemple, etc. Et sur le plan technique, le positionnement se fait en rapport avec la bioprothèse. Donc là, vous avez deux images, hein, bon, c'est pas, je crois que ça tourne, mais il n'y a quasiment rien. Deux images qui nous montrent, en fait, vous avez la bioprothèse et nous, on positionne notre valve, soit là une valve self-expandable, hein, une valve core valve, soit là une valve Edwards. En fonction de cette bioprothèse, on essaie d'être un tout petit peu en dessous. Hein, c'est le cas là pour la Corval que vous voyez et pour le cas d'Edwards que vous voyez. Donc la technique est très simple, on se met à travers la valve et on a ce marqueur radio opaque qui fait qu'on positionne en fonction de la valve chirurgicale et on n'a pas besoin de contraste pour ces procédures. Quelles sont finalement l'évidence pour proposer cette technique plutôt que proposer une nouvelle opération? On a eu des papiers, même des papiers très récents, qui nous montrent qu'à court terme, et c'est quelque chose d'assez logique, hein, le valve-in-valve, donc le TAVI, fait mieux qu'une nouvelle chirurgie de remplacement valvulaire aortique. Bien sûr, ça serait une chirurgie rhédo, donc effectivement, le valve-in-valve, c'est prouvé, hein, il y a moins de mortalité, il y a moins de morbidité avec de durée d'hospitalisation, et il y a moins de saignement. Donc effectivement, on a des données assez fortes qui nous disent qu'à 30 jours, le valve-in-valve fait mieux que de réopérer le patient. Par contre, lorsqu'on regarde sur le long terme, et ça c'est le papier qu'on a publié hier dans le JACC, on voit que plus on avance, hein, donc là en rouge c'est le TAVI, valve-in-valve, en bleu c'est le remplacement valvulaire aortique redux, on voit que plus on avance dans le temps, plus finalement les patients qui ont un valve-in-valve TAVI vont présenter des événements. On a l'impression que les courbes s'inversent et au début le TAVI fait mieux, puis plus le temps avance et environ après 2 ans, on voit que quand même peut-être que opérer les patients, ça serait mieux parce qu'ils vont avoir moins d'événements. Donc c'est moins clair si dans le temps, cette supériorité du valve aortique va perdurer. On a l'impression que vraiment, plus le temps avance, plus une nouvelle chirurgie peut être intéressante, surtout si vous avez des bons chirurgiens, c'est-à-dire qu'ils vont faire un élargissement de l'anneau, qui vont voilà, avoir des techniques pour essayer d'obtenir des prothèses de plus grand calibre. Dans cette autre étude qui a été publiée la semaine dernière dans l'European Heart, ils sont intéressés au pronostic des patients. Et en fait, ce qui va principalement impacter les patients qui ont une procédure de valve-in-valve TAVI, hein, ça va être l'âge du patient, hein, et la taille de la bioprothèse aortique initiale. Donc, plus la bioprothèse est petite, moins le pronostic est bon. Et plus le patient est âgé, moins le pronostic est bon. Certains patients vont avoir une réintervention après le valve-in-valve, et là, principalement, c'est les patients qui vont avoir une valve de type expandable, ballon expandable de type du coup Sapien, et qui auront un mismatch, hein, c'est le pre-existing PPM, là, un patient prosthesis patient mismatch, qui va exister. Donc, il y a des critères, et on peut penser que chez certains patients, comme les patients qui ont déjà un mismatch, les patients qui sont âgés, les patients qui ont de petites prothèses, le TAVI valve-in-valve ne fera pas forcément d'excellents résultats sur le long terme, et donc on peut penser plutôt à une rhédo surgery. Effectivement, après, c'est au cas par cas. Si le patient a une espérance de vie de 1 ou 2 ans, hein, on voit que là, par contre, le valve-in-valve se défend tout à fait. Donc ça, c'est les réinterventions de long terme chez les patients qui ont un TAVI valve-in-valve. On voit que les patients qui ont des valves balloon expandable, hein, c'est-à-dire des valves Edwards, vont avoir plus de réinterventions que les patients qui auront des valves self-expandable. C'est logique parce qu'on met une valve petite, une valve intra-annulaire dans une valve qui est déjà petite. Donc effectivement, on l'a dit, hein, le mismatch est extrêmement intéressant et c'est une grosse problématique, hein, déjà dans la dégénérescence des bioprothèses aortiques, mais en plus dans le valve-in-valve. Et donc nous, le but, ça va être de mettre plutôt des prothèses supra-annulaires, et donc c'est-à-dire des prothèses de type self-expandable. Hein, actuellement, nous, on utilise la valve Accurate de Boston et la valve Evolut de Medtronic. Et donc on voit que plus le patient a un mismatch de base, moins son pronostic va être bon. Donc voilà, il faut que sur le plan échographique et lors de la Heart Team, on discute ce mismatch et sa présence, parce que s'il y a un gros mismatch chirurgical, ça peut être une indication à une nouvelle opération avec élargissement de l'anneau. Hein, et donc là, vous voyez encore juste une chose, hein, mais je l'ai déjà dit, hein, c'est que les patients qui ont des bioprothèses de petite taille chirurgicale, hein, je parle, vont avoir un pronostic qui va être moins bon. Donc on l'a dit, on va mettre des prothèses supra-annulaires et dans certains cas, on va être amené à fracturer la valve chirurgicale. Hein. C'est que si on n'a pas le choix, là par exemple, c'est un patient qui avait une Perimount 21 qui avait été mise en 2005, ça a dégénéré en 2019, donc 14 ans c'est bien. Malheureusement, maintenant il était très âgé en 2019 et donc on a dû lui mettre une petite valve, hein, la plus petite qu'on a à disposition, c'est une Evolut R de 23 mm. Donc là vous voyez sur la gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais
voyez au moins sur la gauche, la valve Evolut Air qui est mise dans la valve chirurgicale. Hein, et donc, vous voyez qu'on met en fait dans une petite valve, encore une petite valve. Donc, on est embêté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de fracturer la valve. C'est que ces valves chirurgicales, on peut, si on utilise des ballons non compliants extrêmement puissants, qui sont des ballons barde, on peut fracturer l'anneau. Hein, donc, on passe avec ce ballon barde après avoir mis la valve et on gonfle jusqu'à entendre un crack. Hein, c'est-à-dire qu'on a fracturé la valve chirurgicale. Donc, effectivement, c'est forcément un peu risqué. Il y a probablement un risque de tamponnade. Nous, on n'en a jamais eu, mais c'est décrit, évidemment. Et donc, pour la fracturer, c'est une technique que je pourrais vous montrer si besoin. Hein, mais on gonfle, en fait, on utilise un robinet de 3 voies et on gonfle d'abord une seringue, puis un déflateur pour vraiment monter avec ce ballon non compliant barde extrêmement haut à 40 atmosphères, hein, si possible, pour s'assurer qu'on ait fracturé la valve. Et effectivement, vous voyez la différence. Hein, là, il y a une flèche au milieu, mais vous voyez que là, la valve très peu ouverte. Valve chirurgicale pas fracturée, Evolut pas fracturée non plus. Et là, après avoir fracturé, vous voyez quand même, on a énormément augmenté la surface. Donc, probablement, nous, on avait des meilleurs gradients, hein, puisque là, on avait un gradient à 40 avant de faire la fracture. On est passé à un gradient extrêmement faible ensuite, autour de 10. L'autre problématique de ce valve-in-valve, c'est l'occlusion coronaire. Puisqu'on vient mettre une valve dans des sinus en général un petit peu étroits. Et donc, ça, nous, on va l'évaluer. On va l'évaluer sur le scanner. C'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu la distance entre l'ostium coronaire et la projection de la valve qu'on va implanter. D'accord? Selon cette distance, on estime que le risque d'occlusion coronaire est élevé ou pas. Si le risque d'occlusion coronaire est élevé, effectivement, il va falloir qu'on reconsidère notre intervention parce qu'on met le patient à très haut risque. Hein. Si on lui occlut une des deux coronaires, particulièrement le tronc commun, peut-être que ça valait pas la peine de faire un TAVI valve-in-valve. Donc, dans ce cas-là, on n'avait aucune autre solution, c'est-à-dire qu'il n'était pas réopérable, et on avait estimé que notre risque d'occlusion coronaire était élevé. Donc, ce qu'on fait, c'est les techniques de type cheminée. Hein. Donc là, on a préparé, c'est-à-dire qu'on avait mis un stent dans le coronaire droite, on était prêt à retirer si besoin en est. On met notre valve, on lâche tout, c'est-à-dire que là, on est en position où la valve est en place, et on fait une orthographie pour voir si la coronaire est occlue comme on l'avait attendu. Là, elle n'est pas occlue, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on enlève le stent, on enlève le guide et on est content. Mais bien sûr, si elle est occlue, ben, on est obligé de mettre un stent qui va être de là à dans l'aorte. Donc c'est un résultat, c'est vraiment pas du tout satisfaisant, mais c'est le seul moyen de restaurer un flux derrière la valve, en fait, hein, dans la coronaire. Bien sûr, il faut l'avoir anticipé parce que si on doit le faire après avoir déployé la valve, il va falloir repasser à travers la valve et là, ça peut être très compliqué. Donc ça, c'était le premier cas classique. Deuxième cas, c'est les bicuspidies. Donc ça aussi, c'est quelque chose de fréquent. Pareil, 4 à 5% hein, des TAVI dans notre centre. Souvent, les patients vont être chirurgicaux, mais on a des bons résultats hein, avec les deux types de technologies, que ce soit des balloons ou des self-expandables. Cela, le fait qu'il y ait une valve bicuspidie lors du screening va pouvoir faire changer l'indication TAVI versus chirurgie. C'est un patient qui est à risque intermédiaire ou à bas risque. Évidemment, si en plus il est bicuspide, comme il a été exclu de toutes les études randomisées, on va plutôt l'orienter vers une chirurgie. On a des données récentes, là, c'est des données d'il y a un mois, hein, qui nous montrent que finalement, que ce soit les balloons expandables ou les self-expandables, on a à peu près des résultats équivalents dans les bicuspidies. Donc, on peut utiliser les deux types de valves si on doit faire un TAVI. Vous n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a quoi que ce soit. Troisième indication, un petit peu plus, enfin, elle aussi existante chez nous, mais parce qu'on est un gros centre chirurgical, je pense, hein, c'est les IAO purs. Donc là, c'est plutôt des valves chirurgicales, hein, mais qui vont être accessibles au TAVI, sauf si vraiment l'anatomie est défavorable, c'est-à-dire si on a des anneaux extrêmement larges. Vous savez que le TAVI, ça s'ancre dans une valve en général aortique très calcifiée et rétrécie, c'est du RAO calcifié, donc on a des calcifications qui aident la valve à se stabiliser. Dans l'IAO pur, souvent, il n'y a aucune calcification, donc c'est plus difficile. Hein, et donc, voilà, il faut avoir une expertise. Nous, on en fait quand même beaucoup. Hein. Il y a très peu de publications dessus parce que voilà, c'est des choses un petit peu plus expérimentales. Et donc, ça peut amener pendant la team à changer l'indication si on estime que le patient est à risque chirurgical acceptable, étant donné que le risque du TAVI est plutôt, enfin, est pas toujours prédictible dans l'IAO pur, on peut changer l'indication. Hein. Donc là, par exemple, je vous montre un dossier qu'on a fait, je ne sais plus exactement quand, mais c'est un patient, vous voyez, sur l'orthographie, il y a zéro calcification. Hein, c'est une IAO vraiment pure sur une valve non calcifiée. Hein, vous voyez que là, on travaille par voie radiale, hein, évidemment, pour l'accès pitel. Et dans ces IAO pures, on peut faire deux choses. On peut mettre des balloons expandables, hein, comme vous voyez là, un résultat, je ne sais plus quel patient c'était peut-être celui que je viens de vous montrer, ou des self-expandables, comme vous voyez là, hein, avec des excellents résultats. Alors là, je vous montre bien sûr les meilleurs résultats. On n'a pas toujours des résultats totalement satisfaisants, mais si on sélectionne bien nos patients, les complications
quand même dans l'IAO pure sont relativement rares. Donc c'est quelque chose qui est accessible. Autre patient classique, hein, c'est le patient bas débit, bas gradient. Alors là, bon, plus compliqué, hein, puisque toutes les études valident le RAO serré, symptomatique. Bas débit, bas gradient, mortalité opératoire élevée, hein, en cas de chirurgie de RVAO. TAVI faisable, hein, est beaucoup moins invasif que la chirurgie, mais ça reste des patients avec des indications plus rares. Hein, on voit que quand on leur a fait un TAVI, ça va augmenter leur FEVG, donc le plus, mais bon, on voit qu'on passe de 30 à 38, hein, donc c'est quand même pas phénoménal. Hein. Et on a l'impression que c'est plutôt les patients avec une réserve contractile qui vont bénéficier du TAVI. Donc voilà, le bas débit, bas gradient, pourquoi pas, mais ça ne doit pas être la routine. Et en particulier, ça c'est une étude qui s'intéressait à tout un tas d'indications de TAVI. Hein, le patient high gradient en bleu étant le classique, c'est le RAO serré classique. Et en fait, celui qui a le plus mauvais pronostic, c'est ce patient avec le bas débit, bas gradient. Hein, donc voilà, c'est quand même des patients graves. Et ces patients, donc c'est des patients mauvais VG avec un gradient inférieur à 40, chez lesquels voilà, il va falloir faire une échographie d'obutamine pour vérifier qu'il y a une réserve contractile. Il va falloir faire un score calcique pour vérifier que le RAO soit vraiment serré. Mais il ne faut pas penser à les traiter au quotidien par des TAVI parce que finalement, le pronostic au long cours est quand même moins bon hein, chez ces bas débit, bas gradient. Dernière indication, hein, j'accélère un peu parce que j'ai pas mal de diapos et je ne voulais pas non plus vous endormir complètement, hein, c'est le valve-in-valve mitral. Donc ça, c'est une technique qui n'est pas aortique, hein, mais qui est devenue courante chez nous. Hein. Technique transseptale, très simple, beaucoup moins lourde qu'une deuxième CEC pour un remplacement valvulaire mitral redux. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment quand on a des dysfonctions, dégénérescence de bioprothèse mitrale. Ça peut se faire sur les mitrales natives, mais c'est beaucoup plus complexe. Moi, j'en ai fait en 2015 quand j'étais à Bichat. C'était le début, c'était sur des patients qui étaient à risque extrême, qui étaient non opérables. Et depuis, il n'y a pas eu beaucoup de cas. Et nous, on n'a toujours pas fait à la Timone, hein, des cas sur valve native. Ça demande une sélection avec un scanner qui doit être extrêmement bien fait, hein, où on va regarder l'angle aortomitral pour vérifier l'occlusion, le risque d'occlusion de la chambre de chasse lorsqu'on met la prothèse. Donc voilà, ça demande un screening très particulier. Et là encore, lorsqu'on a des cas dans les valves natives, hein, mais je vous ai dit, on n'a pas encore fait, systématiquement, on envoie les dossiers à Bichat pour les valider. Le valve-in-valve, c'est différent puisque le chirurgien a enlevé tout l'appareil sous valvulaire mitral lorsqu'il a remplacé sa valve. Donc pour le valve-in-valve mitral, c'est beaucoup plus simple. On a comme pour le valve-in-valve aortique des ABAC, hein, donc des applications où on nous dit voilà, le patient a telle valve, il faut mettre c'est toujours des sapiens 3, il faut mettre une sapiens 3 de telle taille. Donc on passe, comme vous le voyez là, par voie transseptale. Hein, on se met en face de la valve, on la franchit hein, et on amène notre valve sapiens 3 dans la valve mitrale et on la gonfle avec un ballon. C'est des procédures qui se font sous guidage ETO parce qu'il y a le transseptal et c'est des procédures qui sont mal tolérées, donc ça se fait sous guidage ETO, sous anesthésie générale. Donc voilà pour les indications, hein. Il y avait beaucoup de choses, mais c'est important de bien comprendre que finalement le RAO serré classique, c'est une indication courante, mais on fait beaucoup d'autres choses au quotidien quand même. Donc maintenant la technique et les résultats. Donc mon approche, hein, c'est que vraiment on a simplifié la technique énormément. Alors moi je ne suis pas très très vieux, hein, mais quand même je fais du TAVI depuis les années 2014, donc bon, ça fait 6 ans. Et en 6 ans, il y a eu une simplification extrême qui s'est opérée sur sa technique. Hein. Cette technique est devenue standardisée, reproductible, très simple, avec plusieurs valves disponibles. En 2010, hein, donc c'était compliqué, vous voyez qu'il y a énormément de choses. Hein. Il y avait un screening, bon là c'est toujours le cas. Post-procédure sous-AG, ponction fémorale, artérielle veineuse, voie centrale, t'entends un abord, une sonde d'entraînement systématique, une prédilatation de la valve aortique avant de mettre le TAVI, hein, une fermeture, donc tout était plus compliqué. Vous allez voir à la fin qu'en 2020, c'est extrêmement simple, et en général, un TAVI, peau à la peau, c'est 20 minutes de procédure. Donc le screening du TAVI, on l'a vu au tout début, hein, c'est un Heart Team, ça passe systématiquement par un scanner. Et ce scanner, on va le reconstruire pour voir à la fois les accès, est-ce qu'on peut passer en transfémoral sans problème, est-ce que l'aorte n'est pas trop tortueuse, ça peut arriver, et surtout pour définir l'anneau aortique et sa taille, son aire, pour voir quel type de valve on va sélectionner. Là encore, en fonction de l'aire, donc de la surface de la valve aortique native du patient, et d'autres paramètres, on va pouvoir sélectionner telle ou telle valve, hein, donc soit une valve balloon, soit une valve self-expandable, chacune ayant certains avantages et certains inconvénients. Mais y a pas, pour chaque patient, en général, on peut choisir plusieurs types de valves. On n'est jamais limité à une seule valve pour un patient. Donc le scanner est vraiment essentiel. Et lorsque vous démarrez un programme TAVI, il faut apprendre à lire un scanner
Et honnêtement, c'est extrêmement simple. Là, de nos jours, moi, pour chaque patient, ça me prend 5 minutes, même pas. Au début, il y a une petite courbe d'apprentissage, mais très rapidement, vous allez vous y former. Les logiciels, il y a des logiciels complexes, payants, mais il y a surtout beaucoup de logiciels gratuits que j'utilise moi, qui sont, voilà, qui sont très très bien. Donc, on évalue la taille de l'anneau, la taille du segment 1, du segment 0 et la hauteur des coronaires, parce que si elles sont trop basses, ça peut interagir avec la prothèse. Donc, quelle prothèse moi j'utilise au quotidien? Il y en a trois hein, qu'on utilise, la Sapien 3, la Medtronic Evolut Air ou Evolut Pro, qui sont des auto-expandables, et la Boston Accurate Neo, bientôt la Neo 2, qui sont elles aussi des prothèses auto-expandables, hein, c'est-à-dire qu'on les gonfle pas sur ballon, hein, inversement à la Sapien 3. En plus de ça, il y a tout un tas d'autres prothèses. Hein. Je vous en mets uniquement deux, mais vous savez qu'il y a des prothèses chinoises, des prothèses indiennes, il y a beaucoup de choses en développement. En Europe, on a la Portico, qui est une self-expandable, qui ressemble du coup beaucoup à la Corvalve. Et on a une autre valve, qui est la Lotus, que vous voyez ici, qui est elle aussi une self-expandable, mais qui a un design et qui est un petit peu plus, qui a d'autres particularités, mais moi, je n'utilise pas du tout au quotidien. Ces prothèses sont amenées via des cathéters. Donc là, je vous ai présenté les deux plus classiques, c'est le Medtronic et l'Edwards. Ce sont des cathéters qui sont très très bien profilés, qui sont énormément améliorés au travers du temps, qui ont réduit leur calibre pour accéder à des fémorales plus petites, etc., etc. Vous voyez qu'on peut les torquer. Hein, vraiment des cathéters d'excellente qualité. Les voies d'abord possibles sont multiples. Hein. La principale est la fémorale. En France, c'est 85% d'étalvie. Dans notre centre, c'est 92% d'étalvie. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de fémoral percutané extrêmement fréquent. Et ensuite, d'autres voies qui sont moins bien, effectivement, puisqu'elles sont plus lourdes. On a les voies transcarotides ou trans-TABC, hein, qui se font sous anesthésie générale. Les voies transaortiques directes, donc avec une sternotomie, anesthésie générale. Axillaire ou sous-clavière, qu'on fait nous à la Timone sous anesthésie locale, donc ça c'est quand même un plus pour le patient parce qu'on lui évite une anesthésie générale. Et bien sûr, les voies transapicales qui elles sont rarissimes, hein, elles sont extrêmement invasives puisque ça ressemble quasiment à une CEC. Et donc là, on sait que le pronostic du patient est très mauvais et nous n'en avons pas fait par exemple depuis 3 ans de voies transapicales. Donc beaucoup de voies d'abord, on trouve en général toujours une voie accessible pour chaque patient. Après, il y a des voies beaucoup plus rares comme la voie transcavale, etc., dont j'ai pas jugé bon de vous parler parce que ça n'a pas d'intérêt en pratique quotidienne. Ça, c'est une diapo de Medtronic que j'aime bien pour vous montrer en gros comment ça se passe à une procédure TAVI. En tout cas, chez nous, hein, le patient est au milieu de la table. Il y a une table de scopie. On a une table derrière avec, bon, ben, voilà, des idées, des choses. Il y a un cardiologue, un chirurgien. Le rôle souvent s'inverse chez nous, hein, parce que par exemple, le lundi, on fait 3 TAVI. Le jeudi, on en fait 5. Le vendredi, 3. On est à chaque fois un binôme. Donc, on peut pas, voilà, on change, on partage les étapes, etc. On a un anesthésiste à la tête qui souvent est un IAD. Et on a un infirmier ou un manipulateur radio qui nous prépare la prothèse. Donc, si vous voulez, il n'y a pas énormément de monde dans cette salle. On est 1, 2, 3, 4, plus le manip. On est 5 personnes dans les salles pour l'établi. Donc, c'est quand même très simplifié de nos jours. Alors, voilà, ça, c'est encore la diapo de simplification. Hein. En 2010, c'était très compliqué. Hein. C'était une salle avec plus de 10 personnes. Ça ressemblait à une CEC, en fait, hein, sous-âgée, avec une échographie transœsophagienne, une voie centrale, etc. L'accès était le plus souvent chirurgical que percutané. On était en double fémoral, hein, ça a beaucoup changé. On prédilatait toutes les valves avant de mettre le TAVI. Il y avait un pacing via une sonde d'entraînement. Et ensuite, le patient restait à peu près 7 à 10 jours à l'hôpital. Donc, ça ressemblait en fait à une chirurgie cardiaque. Hein, effectivement, toute cette complexité en fait, hein, de la procédure ralentissait notre activité. À cette époque-là, il faisait 2 TAVI par an maximum à la Timone avec une centaine. 2 TAVI par semaine, pardon, avec une centaine par an maximum. En 2020, on a complètement changé, hein, très peu de personnes dans la salle, ça va très vite, on est quasiment toujours en fémoral, la procédure est éco-guidée, je vous le montrais. On passe non pas en bifémoral, mais on passe en radial, et ça, on a montré que ça diminuait les complications parce qu'on ne fait pas d'autres ponctions fémorales. On ne prédilate plus nos valves aortiques, on fait des directs TAVI, on va vous le montrer aussi, et on ne met plus de sonde d'entraînement. Le patient reste 24 heures en soins intensifs et reste à l'hôpital en gros 2 à 3 jours après l'intervention. C'est que moi, en général, il rentre le dimanche, fait le TAVI le lundi, rentre à la maison le mercredi s'il n'y a pas de problème. Et ça, cette amélioration et cette simplification à l'extrême fait qu'on peut faire 10 TAVI par semaine en général hein, et qu'on arrive à 400 à 500 TAVI en 2020 si on n'avait pas eu le Covid. Donc voilà comment ça se passe. Hein. En gros, on a un patient qui est allongé sous anesthésie locale. On découvre toujours les deux fémorales, même si on n'utilisera que la droite. On met une. Alors, ça, c'est des photos de Pasteur, hein, mais nous, on fait exactement la même chose. On met une radiale
qui est 4F hein, chez nous et pas 6F. Hein, donc avec, voilà, ça va être pour faire les angiographies, pour voir où positionner la valve. On fait donc une ponction de l'artère fémorale, ça c'est chez nous, hein, sous écho. Hein, donc sous écho, vous le faites peut-être, mais moi maintenant je fais toutes mes ponctions sous écho, enfin toutes sauf urgence vitale, mais 90%, même pour mes cathétérismes droits, même pour mes coros fémorales, etc. Donc l'écho, vraiment, c'est devenu un outil qui est toujours branché en salle de cathétérisme. Hein. Et donc là, vous voyez très bien la fémorale commune, qui est notre cible. Hein. Donc on va cibler la fémorale commune. La face antérieure ici n'est pas calcifiée. On va donc piquer ici. Et ensuite, on va faire du pré-closing. Hein, c'est-à-dire qu'on utilise des ProGlide. Je pense que vous en avez l'habitude, je ne sais pas. Hein, sinon, c'est aussi très simple d'utilisation. Des ProGlide qui sont une suture, en fait, qu'on préinstalle avant de mettre le gros désilé. Donc, on fait la ponction. On utilise deux ProGlide en général parce que les désilés sont de 14 à 18F. Donc, on met deux ProGlide. Et ensuite, une fois qu'on a mis nos ProGlide, on avance le désilé. Donc là, vous voyez un désilé qui est avancé sur le guide. Extrêmement simplement, hein, c'est Didier Tchétché, donc c'est pas moi, hein, mais bon, c'est la même chose chez nous tous les jours. Hein. On pousse le désilé dans une aorte qui a l'air un petit peu calcifiée, mais sans plus. Ça avance avec une facilité déconcertante. Ils sont lubrifiés. Ils sont vraiment, honnêtement, en pratique clinique, des désilés qu'on nous fournit. C'est nous, on travaille avec Edwards et Corval, et Boston pour le désilé de la curate. Ont un profil qui est phénoménal hein, et vraiment c'est fantastique d'utilisation. Donc on rentre notre désilé sans aucun problème, hein, c'est la première étape du TAVI. Ensuite on franchit la valve aortique, on met un Safari comme vous le voyez et on va devoir déployer la valve. Hein. Donc à l'époque on mettait une sonde d'entraînement parce que pour déployer la valve et en particulier pour les valves balloon expandable, il faut paralyser le cœur pour se mettre vraiment au bon endroit et que ça ne bouge plus. Et donc pour paralyser le cœur, on le stimule. Et donc nous maintenant, on stimule sur le guide Safari qui est dans le VG. Vous savez qu'on n'est pas obligé du tout de stimuler le VD. On peut même stimuler le coronaire si on a un guide coronaire, hein, évidemment. Et donc on fait une simulation sur ce guide Safari pour paralyser le cœur. On se met là où on veut, on injecte de l'iode et on déploie la valve, comme vous allez le voir sur cette vidéo de Tchétché. Encore une fois, c'est lui qui m'a passé ces trucs. On fait bon, bien sûr exactement les mêmes, mais il est tellement didactique et tellement bon. Que je pense que c'est toujours bien de le voir. Donc, il a sa valve qui est prête à être déployée. Vous voyez que lui est devant, il faut toujours être deux, hein, et Nicolas Dumonté à côté va déployer la valve. Et donc, ils se positionnent, ils vont faire une paralysie du cœur. Hein, vous voyez le pacing sur le guide Safari, une injection, ils sont en bonne position. Ils gonflent la valve. C'est gonfle le ballon, la valve se met en place, toujours le pacing, dégonfle le ballon, il faut 3-4 secondes, 5 secondes, et on arrête le pacing. Okay, donc c'est quelque chose de très simple qui nécessite une pictelle pour voir où on est et un Safari pour pacer le ventricule gauche. Même chose pour les volutes. Hein. Donc lorsqu'on parle des volutes, on va faire ou d'accurate hein, pour les valves que j'utilise moi, mais il y a d'autres hein, évidemment. Hein. On se positionne par rapport à la valve aortique et les volutes, elle est self-expandable, c'est-à-dire qu'on l'a. On l'enlève de son désilé hein, et progressivement elle se déploie donc de bas en haut, hein, tout comme la curate que je ne vous ai pas présentée là, mais la curate c'est pareil, on déploie d'abord bon, le haut puis le bas, mais c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on les déploie progressivement et donc on n'a pas forcément besoin de pacing, que ce soit pour la curate ou pour les volutes. Et donc une fois qu'on a mis notre valve en place, écoutez, on fait un contrôle angiographique qui est facultatif hein, pour vous dire la vérité, nous, moi je le fais plus systématiquement, souvent je fais juste une écho transthoracique. Ce contrôle angiographique, le seul intérêt, c'est éventuellement la perméabilité des coronaires, mais si on n'a aucune coronaire, le patient souffre en général de façon très rapprochée. Hein, donc plutôt, c'est pour voir les fuites, pour voir s'il ne faut pas post-dilater la valve éventuellement. Et ça, c'est en échographie transthoracique, on le voit beaucoup mieux qu'en angiographie. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va fermer le point de ponction. Donc là encore une vidéo hein, qui vous montre qu'on enlève le désilé et on ferme les ProGlide qu'on avait préinséré au début de la procédure. C'est très simple. On descend le nœud du ProGlide. Ça ne saigne pas en général si tout se passe bien. Le ProGlide se manie avec un pusher. Si vous n'avez pas l'habitude, vous apprendrez très vite à le faire. On descend un ProGlide, puis le deuxième ProGlide, et ensuite on enlève évidemment le guide par lequel on a amené la valve. Donc en 2020, on est très simple. Anesthésie locale, une seule ponction fémorale qui est la ponction pour amener la valve, hein, donc la ponction qui va être éco-guidée. On fait du pré-closing avec du ProGlide. On ne met pas de sonde d'entraînement. On ne fait pas de valvuloplastie aortique. Bien sûr, une fois qu'on a fait les ponctions, on achemine la valve, on met la valve, on ferme et on s'en va très vite. Hein. Donc c'est une procédure qui dure 20-25 minutes s'il n'y a pas de complications.
son entraînement qui était systématique avant, bah écoutez, comment l'éviter? Évidemment, le problème de la sonde d'entraînement, c'est qu'on va faire des tamponnades une fois de temps en temps, mais finalement, ce n'était pas si non fréquent hein, dans le TAVI. Et comment l'éviter? Bah, en fait, on fait une intervention TAVI avec une stimulation sur le guide VG. On a des études, en particulier l'étude Easy TAVI de Benjamin Faury, publiée l'année dernière dans le JACC Intervention, qui montre que c'est aussi safe que de mettre une sonde d'entraînement et ça diminue surtout les tamponnades, hein, le fait de de faire un TAVI sur le guide Safari et non pas de faire la ponction veineuse et de mettre une sonde d'entraînement avec le risque de complications qu'on avait avant de type tamponnade avec nécessité de drainer les patients, ce qui est quand même un petit peu plus lourd. Autre technique qui était systématique avant, c'était la valvuloplastie aortique. C'est qu'avant de mettre la valve, que ce soit Edwards, Corvalve ou autre, hein, on faisait une valvuloplastie au ballonnet. Hein. Et nous, on a publié dans le JACC Intervention il y a 2 ans hein, cette étude sur l'analyse du registre France TAVI hein, qui a montré que finalement, en faisant un direct TAVI, c'est-à-dire sans valvuloplastie, avec les prothèses de dernière génération, on a des résultats au moins équivalents pour des procédures plus simples, hein, c'est-à-dire plus courtes, moins de diodes, moins de rayons hein, et peut-être un petit peu moins d'AVC, puisqu'à chaque fois qu'on bouge dans cette valve aortique calcifiée hein, sur laquelle on va mettre le TAVI, ben, on a un risque un petit peu d'emboliser du calcaire. Donc en ce moment, nous, dans notre activité, on nous prédilate 5% des TAVI. Donc c'est vraiment pour des choses un petit peu rares, par exemple certaines bicuspidies ou des grosses difficultés d'accès, etc. Donc les challenges qui nous restent en 2020, un des challenges principaux qui nous pose des gros problèmes et surtout des grosses questions lorsqu'on va parler de bas risque, hein, c'est le problème du bloc gauche et du TAVI post et du pacemaker pendant post-TAVI, puisque en France en 2019, c'est encore 20% des TAVI, hein, donc un patient sur 5 qui a besoin d'un pacemaker. On sait que c'est beaucoup moins en chirurgie conventionnelle de RVAO, hein, puisque cela c'est autour de 5%. Et donc nous, on a 20% de pacemaker et en tout 35% de bloc gauche. Et c'est pas forcément anodin quand on discute avec des rythmologues hein, d'avoir un bloc gauche au long terme, surtout si on a 65 ans et qu'on a un TAVI à 65 ans, parce qu'il y a des cardiopathies liées au bloc gauche. En plus de ça, lorsqu'on a un pacemaker, ben on a un risque d'endocardite, on a un risque de cardiopathie liée à la stimulation du VD et surtout une iatrogénie, c'est-à-dire que c'est des patients qui, au lieu de sortir rapidement, ben vont rester plus longtemps à l'hôpital, vont se compliquer, vont faire des phlébites, etc., etc. Donc, quelles sont nos techniques et nos solutions hein, pour un petit peu passer ce challenge du trou de la conduction, hein, qui est vraiment extrêmement important lorsqu'on va vers les bas risques, hein, parce que 35% de bloc gauche chez des patients de 65 ans, c'est pas acceptable. Hein. On a des solutions. Alors, je vous ai mis des points d'interrogation partout parce que finalement, ces solutions, elles sont vraiment. Enfin, c'est des idées qu'on a, mais il n'y a aucune preuve. Hein. Est-ce qu'en utilisant des prothèses de type Accurate, on ferait un petit peu moins de pacemaker? Est-ce qu'on sélectionnerait pas un petit peu mieux nos patients? C'est-à-dire les patients qui ont déjà un bloc droit, hein, chez lesquels, en mettant la valve, on va les taper hein, sur la branche gauche, donc ils sont beaucoup plus au risque de BAV3. Est-ce que ceux-là, il ne faudrait pas plutôt les opérer? Et est-ce qu'il n'y a pas des techniques d'implantation qui seraient intéressantes, c'est-à-dire en implantant très très haut les valves, hein, c'est-à-dire en essayant d'éviter la branche gauche hein, du faisceau de His. Est-ce que ça ne serait pas mieux si l'opérateur peut mettre la valve très haut? Mais tout ça, c'est quand même assez hypothétique. Hein. La seule chose qu'on ait, c'est cet essai publié l'année dernière dans le JACC Intervention qui nous montrait qu'en fait, dans les cadres des patients qui ont un bloc droit, le fait d'implanter des prothèses du type Accurate diminuait le risque de pacemaker versus des valves de type Edwards, qui étaient des valves des valves balloon expandable, qui sont plus agressives, parce qu'on va avec le ballon taper sur les voies de conduction, alors que peut-être avec cette valve Accurate, on a un petit peu moins de force radiale, donc on pousse un petit peu moins, on abîme un petit peu moins les voies de conduction. Autre challenge en 2020, c'est la dégénérescence des TAVI. Alors là, c'est vraiment un problème. On a vu qu'au tout début, on a parlé de valve in valve, donc dans la dégénérescence des valves chirurgicales, mais nous, les TAVI, malheureusement, c'est une technique qui a démarré il y a 15 ans. Les valves de dernière génération ont été commercialisées en France en 2015, hein, donc on a un recul qui est de 5 ans pour la valve S3 et pour la valve Evolut Pro. Hein, donc on n'a pas assez de recul, si vous voulez, et on attend, en fait, hein, puisque les implantations, on l'a vu au début, hein, ne font qu'augmenter, on attend les grandes cohortes pour avoir des suivis à plus de 5 ans, à 10 ans, hein, pour voilà, pouvoir être vraiment rassuré, mais on a quand même des signaux relativement rassurants avec la Sapien 3, avec les Corvalves, hein, avec les autres pas encore, parce que c'est trop jeune, hein, qui nous disent que finalement, la dégénérescence est à peu près similaire aux bioprothèses chirurgicales, hein, sauf chez les valves du type Sapien XT, mais qui ne sont plus sur le marché en France, hein, qui étaient les premières générations de valves balloon expandable, qui elles dégénèrent un petit peu plus, a priori, que les valves chirurgicales. C'était un travaux de Pibaro, qui n'est pas encore publié, mais qui était présenté au London Valve l'année dernière.
Et effectivement, lorsqu'un TAVI dégénère, ben on peut faire du TAVI in TAVI. Hein, donc nous, on a un dossier en attente qu'on va faire bientôt, hein, d'un TAVI in TAVI. Et là, c'est un TAVI in TAVI, in valve in valve, encore un publié par Tchétché la semaine dernière ou le mois dernier. Hein, c'est qu'ils ont fait un valve in valve pour une dégénérescence de bioprothèse. Comme je vous l'ai dit, c'est pas parfait. Hein, ces valves-là vont dégénérer plus vite, malgré le fait que ce soit une self-expandable. Et donc, ils ont dû faire un TAVI dans le TAVI. Hein, chez ce patient-là, donc vous voyez que là on est sur des patients exceptionnels et sur bon là il faut vraiment que le patient soit en bon état général pour qu'on lui propose ça. Est-ce que là l'indication du TAVI valve in valve était peut-être pas la bonne et peut-être qu'il fallait lui faire un rhédo surdurier en élargissant l'anneau, je ne sais pas. Autre problématique, ça va être les réinterventions chirurgicales après TAVI. Hein, si on fait beaucoup de TAVI, on s'expose à des patients qui vont faire des complications et en particulier des endocardites post-TAVI. Et peut-être que certains, surtout s'ils sont bas risque ou risque intermédiaire chirurgical, ces endocardites post-TAVI, ben on va les opérer. Hein, effectivement, un patient chez qui on a fait un TAVI mais qui était contre-indiqué à la chirurgie ou à très haut risque, il fait une endocardite, il va mourir, on ne le réopère pas, personne ne se pose de questions. Par contre, si cette personne-là, à 68 ans, était à bas risque pour un RVAO, ben on lui a fait un TAVI et qui développe une endocardite, ben là, par contre, la question se pose et on va devoir l'opérer pour traiter cette endocardite. Et là, on a une cohorte très faible, hein, mais bon, 123 patients. Hein, chez lesquels il y a eu des réinterventions après un TAVI, et donc des interventions chirurgicales. Et là, la conclusion est assez frappante, hein, puisqu'ils vous disent hein, le SAVR following early failure of TAVR, while rare, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, is associated with worse than expected outcomes. Donc c'est encore pire que ce qu'on attendait. C'est vraiment réopérer le patient après un TAVI, c'est pas bon et ça se passe souvent mal parce que c'est dans l'urgence, c'est des mauvaises conditions, c'est une endocardite, etc. etc. Donc ça, c'est un challenge, hein, parce qu'effectivement, on ne peut pas accepter une endocardite sur un TAVI chez un patient à bas risque de 65 ans. Autre challenge, un peu plus mineur, hein, c'est les AVC. Hein, le risque d'AVC post-TAVI est très faible, hein, c'est 2% dans les grandes cohortes, mais quand même 2% si ça tombe sur un patient à bas risque de 65 ans, à bas risque chirurgical, ben c'est pas satisfaisant et on ne peut pas se permettre de lui annoncer qu'il y a 2% de faire un AVC, même si c'est le risque équivalent en chirurgie. Donc, ce qu'on propose maintenant de nos jours à la Timone, hein, c'est le Sentinel, qui est un dispositif de protection des troncs supra-aortiques, hein, qui, vous le voyez, du coup, on met un filtre dans le TSAO et on met un filtre, dans le TABC, je veux dire, et on met un filtre dans la carotide gauche. Hein, et donc, ces filtres sont là pour normalement empêcher s'il y a des débris qui partent dans le cerveau. Les AVC cliniques sont très rares, mais on sait que systématiquement, si on fait des IRM, après chaque TAVI, il y a des lésions, des micro-lésions. C'est équivalent après chaque chirurgie cardiaque aussi de remplacement valve aortique, chaque CEC, on sait qu'il y a aussi des lésions. Voilà. Donc là, nous, on est en train d'étudier, on va rentrer dans le cet essai Protect TAVR qui va commencer dans un mois à la Timone, qui est un essai randomisé international, pour voir si ce filtre a un intérêt dans la réduction des AVC cliniques. On sait que ça réduit les AVC infracliniques. Est-ce que ça réduit les AVC cliniques? Est-ce que ça réduit aussi, évidemment, la question derrière, c'est le risque de démence, hein, c'est en cas de micro-embole. Voilà, un patient de 65 ans peut développer une démence à 75 ans, enfin, facilité, on va dire, par le TAVI, alors que s'il avait été opéré, peut-être qu'il n'aurait pas développé ce problème-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Un des derniers challenges, je vous rassure, j'ai bientôt fini, hein, j'ai peut-être fait un peu plus de 45 minutes, mais bon, on y est presque. Hein, donc, c'est la coronaropathie. Hein, vous voyez qu'on met des TAVI maintenant de façon très large. La coronaropathie est associée hein, dans quasiment plus de 50% des patients qui ont un TAVI ont une coronaropathie. Ben, ces patients, souvent, la coronaropathie va évoluer. Surtout lorsqu'on va vers des bas risques, hein, des patients de 70 ans, 75 ans, on sait qu'on va devoir les redilater. Et ça peut être extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de dossier à faire, hein, mais ça peut être très difficile, en particulier dans les valves supra-annulaires. Donc, contrairement à contrairement à l'Edwards, on a vu qui est plutôt basse, les autres valves sont plus hautes. Et ça peut être beaucoup plus difficile de passer à travers les mailles de la valve aortique pour aller dans les coronaires. Et moi, je me rappelle de dossiers extrêmement difficiles. On a beaucoup de données. Hein, cette donnée-là, qui est une donnée très rassurante, hein, publiée le mois dernier de Tarantini, qui nous montre que finalement, on a eu besoin dans 4% des cas de faire des coros aux patients qui avaient eu un TAVI et que ça s'est bien passé dans 98% des cas. Mais on a aussi des données de registre hein, qui nous montrent que malheureusement, il y a des ST+ qui sont thrombolysés sur table de coro parce qu'il y a impossibilité d'accéder, de revasculariser l'infarctus. Hein. Donc ça, bien sûr, c'est acceptable à 90 ans, enfin, je ne sais pas si c'est acceptable, mais en tout cas, chez un patient qui a 70 ans à bas risque,
C'est pas acceptable de devoir thromboliser un ST+ sur table de coro avec le risque d'hémorragie cérébrale, le risque de... Voilà, on sait que la thrombolyse, c'est pas parfait. Donc l'accès au coronaire est un vrai enjeu et est une limite un petit peu du TAVI, même si vous l'avez vu, avec c'est possible avec toutes les valves, hein, même si ça peut être compliqué, mais c'est possible. Et certaines valves, en particulier la Edwards, c'est souvent très facile. Donc en conclusion, hein, lorsqu'on parle de l'update du TAVI en 2020, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que les indications en 2020 sont devenues extrêmement larges, en particulier pour le RAO, mais dépassent largement dans notre pratique quotidienne le RAO serré, hein, puisqu'on a l'IAO, on a la bicuspidie, on a le valve-in, valve-mitral, etc. Donc c'est devenu quelque chose de très large. C'est une procédure qui s'est énormément simplifiée, hein, qui a maintenant beaucoup moins de complications, et on l'a dit, il reste des challenges, donc on essaye de diminuer encore, encore, encore le taux de complication, hein, le plus possible. Et voilà, il faut qu'on cible les AVC, il faut qu'on cible l'accès au coronaire, il faut qu'on cible la dégénérescence des TAVI, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition s'il y a des questions ou des discussions. Bon, merci Pierre, hein, pour cette excellente présentation. Tu as fait vraiment le tour de la question. Ben, on avait quelques questions Bien sur sûr. lesquelles tu as déjà répondu. je vais voir un peu sur le chat s'il y a des questions. Il n'y en a pas vraiment de questions. Bien J'ai sûr. l'impression que tu as répondu à toutes nos questions apparemment. Moi j'ai une question pour l'accès axillaire. Tu nous as dit que enfin, vous en faites un peu. Est-ce que c'est la même procédure que pour la fémorale, c'est-à-dire vous faites un pré-closing, c'est en percutané, vous n'avez pas besoin de chirurgien vasculaire? Alors, non, en fait, donc pour l'accès, donc pour les accès autres, hein, donc on a dit c'est rare, hein, mais bon, c'est rare, mais c'est quand même, ça fait partie de notre quotidien. Demain, par exemple, on a un TAVI sous clavier, donc c'est quand même quelque chose, lorsqu'on a un volume de 10 TAVI par semaine, ben, même si c'est moins de 5% des cas, ben, ça revient quand même une fois toutes les 2 semaines, ou etc. Donc c'est vrai que ces accès, il faut les maîtriser. Et là, je pense qu'il est très important, nous, à la Timone, on a vraiment la chance de travailler toujours en binôme pour tous les TAVI, hein, chirurgien et cardiologue. Hein. Et donc, là, il faut que le chirurgien soit à l'aise avec notre voie. Nous, c'est la voie sous clavière parce qu'ils font énormément de dissections aortiques. La voie sous clavière percutanée est possible, hein. Il y a pas mal de case reports, il y a des équipes qui le font avec un pré-closing, une ponction écho, un pré-closing avec deux ProGlide. En discutant avec nos chirurgiens et avec tout le monde, hein, d'ailleurs, on sait par exemple, il y a des impellas aussi qu'on met par voie sous clavière, hein, percutanée. L'artère sous clavière, l'artère axillaire, c'est une artère très fragile qui se dissèque et qui s'occlut très, très facilement. Donc la plupart des gens qui font ça sont souvent obligés après de mettre un coup de ballon, de mettre un stent sous clavier. Donc c'est pas optimal. Donc nous, on préfère le faire de façon chirurgicale avec un bloc qui est fait par les anesthésistes juste avant, là, en injectant de l'axillo. Et donc nous, c'est sous anesthésie locale, la voie sous clavière. Donc c'est en fait, on n'a pas les inconvénients des autres voies qui sont sous anesthésie générale, hein, c'est la principale limite. On n'ouvre pas le thorax, contrairement à la voie transapicale ou la voie transaortique. Et donc finalement, et en plus on a la sécurité du chirurgien qui fait d'abord chirurgical, hein, donc on n'a pas de complications au point d'accès. Donc nous, on favorise une voie chirurgicale et pas une voie percutanée, même si elle est en développement et il y a pas mal de centres qui font la voie percutanée. Mais nous, on ne le Ouais, recommande pas. tout à fait. C'est pour ça que j'ai posé la question. Et donc, pour vous, c'est plus sous clavière que axillaire. Exactement. Plus OK. sous clavière. Si la sous clavière n'est pas accessible, on va sur le carotide. Et si le carotide n'est pas accessible, on est extrêmement embêté, mais ça nous arrive très rarement. Très bien. OK. Non, bon, en tout cas, c'est vrai que c'est le TAVI. Je ne sais pas si combien de TAVI sont faits par an en Algérie, par exemple, parce que je n'avais pas les données. J'ai un petit peu demandé, mais je ne sais pas combien vous en faites. Très peu en Très Algérie, peu. mais dans notre centre, on n'a pas encore commencé, on n'a même pas commencé. Voilà, Moi, bien j'en ai sûr. fait un peu sur Marseille, sur Clerval, avec l'équipe de Clerval, Bien sûr, bien sûr. chez nous, dans notre centre, on n'a pas encore commencé, malheureusement, pour des raisons Ouais. plus Non, mais. financières qu'autre chose. Eh oui, voilà, c'est le principal enjeu. Mais bon, c'est vrai que vous allez commencer dans une atmosphère où c'est très simple, très contrôlé. Donc c'est vrai que je pense que vous êtes dans les meilleures conditions pour démarrer. Et
Vous aurez besoin de très peu d'aide pour démarrer, mais moi, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on vous aidera s'il y a besoin. Mais c'est devenu une procédure routinière, je vous dis 25 minutes hein, maintenant. Donc, les étapes se sont beaucoup simplifiées, les risques sont assez contrôlés. Si on fait un bon sizing, voilà, c'est quand même quelque chose maintenant qui est devenu assez simple et j'espère que vous pourrez commencer rapidement à le proposer à vos patients, quoi, parce que vous devez avoir beaucoup de patients avec des os serrés. Je pense que vous leur faites des valvuloplasties, mais c'est vrai qu'on sait que c'est pas parfait, quoi. C'est pas parfait, effectivement. Une question sur le plan financier, est-ce que l'hôpital, il est plutôt, enfin, est-ce qu'il est déficitaire ou il gagne un peu ou c'est Non, non. juste? Il gagne beaucoup sur le TAVI par rapport à une RVAO parce qu'on a optimisé énormément les durées d'hospitalisation et on a très peu de complications en fait maintenant, hein. Donc en fait, l'hôpital est plutôt gagnant parce que les codifications étaient faites à l'époque où le TAVI était une grosse machine, quoi, en 2010-2012, hein. Et là maintenant, au contraire, les hôpitaux sont très favorables au TAVI et ils sont très favorables au fait que ça avance bien, hein, et donc en plus les valves sont remboursées, donc pour nous c'est quelque chose d'assez confortable, hein. C'est Très bien. bien. Omar, je vais. Oui, Omar, vas-y, vas-y. merci. Oui. Merci, monsieur Deharoux, pour cette Avec excellente plaisir. question. Très didactique, très pratique. Il y a une question, il y a deux, en fait. Il y a une question de notre ami Azouz, qui est un angioplasticien dans le service, et qui vous Bien pose sûr. une question d'ordre pratique, n'est-ce pas, en fait. Il y a la question un peu qui, je ne vais pas dire qui fâche, mais qui fait mal, c'est le prix. Le prix actuel pratique, je veux vous envoyer un malade à Marseille. Combien ça coûte aujourd'hui un TAVI? Puis je laisserai après la parole à Azouz qui veut poser une question, je crois, qui vous dit quels sont vos conseils pratiques à un centre qui veut commencer? Quelles sont Bien les sûr. bêtises, quelles sont les bêtises à ne pas faire et qu'est-ce que vous conseillez? Alors, pour le prix exact, malheureusement, je le connais pas exactement, mais je vais me renseigner, je vous ferai passer l'information parce que c'est extrêmement intéressant. Nous, on a certains patients, effectivement, qui viennent d'autres pays et qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale française et qui règlent leur intervention. Alors là, nous, on essaye toujours de faciliter les choses, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait un séjour le plus court, on cote le moins de choses possible, on s'arrange hein, pour faire au plus court, mais je crois que quand même les prix restent très chers et la valve elle-même coûte aux alentours de un peu plus de 10 000 euros donc, en France. Hein, donc c'est quelque chose quand même de très très cher. Je pense que c'est autour de 30 000 euros. Voilà, la totalité avec Ouais, l'hospitalisation, avec l'intervention, tout, l'anesthésie. ouais. Tout à Et fait. après, voilà. Voilà, il y a des espèces de packs comme ça qui sont faits parce qu'après il peut y avoir un pacemaker, ça peut durer un peu, Ouais, l'hospitalisation, tout à fait. complications, le besoin d'un stent vasculaire, etc. Enfin, mais donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose pour l'angioplastie, j'ai pas eu la question, mais pour démarrer votre programme, moi je pense qu'au départ il faut vraiment faire comme le fait Omar, c'est-à-dire aller dans des centres qui le font en routine, voir un petit peu l'organisation pour essayer de recopier le fonctionnement si vous le trouvez bon, hein. Et moi, là, cette présentation, c'est un petit guide, mais on fournit tout à fait des guides pour monter un protocole, un programme de TAVI. Hein, ce qui est fondamental, je pense, c'est le screening des patients avant les complications. Hein, donc ça, c'est la heart team et la discussion des dossiers, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ensuite, il est vraiment important, je pense, de collaborer avec un chirurgien, si c'est possible. Je sais pas si vous avez, en Algérie, je pense pas dans les centres chirurgicaux comme nous, hein, mais c'est vraiment très très important. Et ce qu'il faut, c'est vraiment planifier la procédure, c'est avoir un scanner parfait, savoir quelle valve on va utiliser, par quel accès, quels sont éventuellement les risques. Et ensuite, la technique elle-même est devenue très simple. Et pour moi, c'est beaucoup moins difficile de faire un TAVI qu'une angioplastie complexe. Hein. Donc ça, par contre, la technique, si vous venez à Marseille en faire 10, voilà, vous allez rapidement acquérir la technique. Mais c'est plus la sélection du patient, l'environnement, la sécurité, pas se tromper sur les indications au départ, voilà, bien discuter les patients, bien discuter le scanner, ne pas hésiter. Nous, on nous envoie, moi, on m'envoie souvent des scanners pour discuter la valve à implanter. Voilà, il faut surtout pas hésiter. Et moi, j'en envoie aussi d'ailleurs beaucoup, hein, lorsque j'ai un doute, on discute entre nous, mais souvent, j'envoie des dossiers à tchétché. Voilà, on discute, hein, il faut surtout pas hésiter à discuter. Très bien. Bah, il y a une question aussi du docteur Mouzaoui qui dit, y a-t-il des nouveautés concernant le traitement antithrombotique post-TAVI en 2020? Excellent.
Alors effectivement, je ne l'ai pas du tout abordé. Alors les recommandations sont de donner, mais bon, encore une fois, ces recommandations anciennes de 2017, sans aucune étude hein, qui se base là-dessus, sont de donner en fait du Cardic et du Plavix pendant 3 mois, puis ensuite une mono-antiagrégation plaquettaire à ces patients-là. En fait, on a des données, hein, on a eu des données en particulier Popular TAVI dans le New England en début d'année, qui nous montrent que chez les patients anticoagulés, donc ça c'est autre chose, hein, qu'une indication anticoagulation pour l'AFA, mais bon, quand même, ça arrive quand même souvent chez les patients qui ont une TAVI, qui sont souvent âgés. Là, il faut donner que l'anticoagulant, pas d'antiagrégant en plus, hein, même s'ils sont coronariens, a priori, il n'y a pas besoin d'anticoagulant parce qu'ils vont plus saigner. Et chez les patients qui ne sont pas anticoagulés, qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt aux anticoagulants. On a l'étude Galileo qui a été interrompue parce qu'il y avait un surrisque chez les patients qui ont anticoagulé. Donc, ce qu'on sait, c'est que pour le moment, on reste sous Cardic Plavix et pendant quelques mois, et ensuite on passe vite à un des deux uniquement. Voilà. Mais bon, ça peut s'adapter. Moi, en pratique clinique, certains patients à haut risque hémorragique, je les fais sortir que sous Cardegic ou que sous Plavix hein, directement. Mais on va dire que la règle, surtout si vous démarrez, ça doit rester de faire 3 mois avec ces deux antiagrégants avant de passer à un seul antiagrégant. Ouais, merci. Y a-t-il d'autres? Omar, tu es là? Omar, on t'entend pas là. Ton micro est coupé. Oui. Vas-y. Donc pour les anticoagulants, j'ai cru lire un truc sur les AOD que ils sont pas très efficaces et que ça qu'il y a pas mal de thrombose de valve, pas forcément clinique, mais c'est une étude scanographique. Tout à fait. Est-ce que si un patient il est anticoagulé, plutôt switcher vers les AVK, est-ce qu'on a des données ou Alors, je ne veux pas vous donner de mauvais conseils, hein, mais bon, effectivement, on n'a pas les données. On attend l'étude Atlantis, hein, qui est vraiment une belle étude là-dessus, qui est terminée. Voilà, on attend les résultats, la publication des résultats pour bientôt, qui va vraiment donner la réponse. Mais à l'heure actuelle, le seul essai qui s'intéressait aux AOD a été interrompu pour surrisque dans les AOD, mais ce n'était pas la même question. C'était les patients qu'on n'avait pas anticoagulés. Donc nous, chez les patients anticoagulés, on les laisse sous AOD, hein, parce qu'on attend l'essai Atlantis, mais on a l'impression et on sent que ça va bien se passer. On les laisse sous AOD plutôt que sous Coumadine. Hein, mais voilà, c'est une pratique personnelle et à l'heure actuelle, je pense que les recommandations sont uniquement les AVK, parce qu'il n'y a pas d'études, mais rapidement Atlantis va nous donner des bons résultats a priori. Je ne vais pas vous le garantir, mais j'en suis quasiment, enfin, il y a de très très fortes chances que ça se passe bien. très bien. Bien. Il y a avec nous le professeur Bjaoui, qui est chef de service. Donc, Ali, tu veux dire quelque chose? Tu es un angioplasticien interventionnel. Ali, Bjaoui, si tu es avec nous, si tu veux dire un mot, c'est sûr que la discussion et la conversation peut durer plusieurs. Ali, je pense qu'il n'est pas à l'écoute. Il peut pas parler. J'ai vu une question, là, je vois écrit la place du MICRA, point d'interrogation. Oui. Le MICRA, donc c'est ce pacemaker sans sonde hein, qu'on implante dans le ventricule droit. Donc nous, c'est vrai que ça nous est arrivé pour certains patients de mettre un MICRA, en particulier quand il y a un risque infectieux important hein, pour éviter le pacemaker classique. Et effectivement, chez les patients très âgés qui ont besoin d'une stimulation VD paroxystique, c'est qu'ils ne sont pas en BAV3. Chez eux, on peut penser au micra et nous, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a une autre question de notre ami Bouzid qui dit, quelle indication, quelle est votre expérience concernant la technique Basilica? Alors, le basilica, donc moi personnellement, je ne l'ai jamais fait moi-même, hein, le basilica, mais c'est une technique qui est assez intéressante, hein, puisque donc ça, c'est une technique qui s'intéresse aux valves-in-valves et qui est en fait une lacération des feuillets de la valve chirurgicale, la bioprothèse chirurgicale. Parce que le problème, c'est quand on met une valve dans la valve chirurgicale, les feuillets sont rabattus, et si les coronaires sont basses, ils vont venir boucher les coronaires. Ça, on l'évalue sur le scanner, comme je vous l'ai montré. Et dans les cas où il y a un très haut risque d'occlusion coronaire, les deux seules solutions qu'on a, hein, c'est soit de faire la protection, comme je vous ai montré, c'est-à-dire la cheminée, avec un stent qui est prêt et qu'on déploiera, soit de faire ce basilica, c'est-à-dire qu'on va en fait lacérer, par une technique assez complexe, les feuillets de la bioprothèse. Je n'en ai pas l'expérience et personne ne l'a en France, hein, puisque même Pasteur ne l'a pas encore fait.
C'est beaucoup fait aux États-Unis. A priori, ça marche bien, mais bon, c'est un petit peu plus complexe. Et là, je pense que vraiment, nous, on n'a pas encore de cas où on en a eu besoin. Voilà. C'est vraiment des choses totalement exceptionnelles, je pense, en 2020. Après, je vois d'autres questions, hein, qui sont très intéressantes. Là, je vois sélection des patients pour simulation sur guide VG. C'est une question qui est vraiment fondamentale. Hein. Je dis que nous, on le faisait pour tous les patients, mais il y a des patients chez qui ça ne va pas marcher, qui sont rarissimes, qui sont les patients qui ont une grosse séquelle VG, hein, c'est-à-dire énorme infarctus antérieur. Effectivement, dans ces cas-là, de temps en temps, le Safari ne fonctionne pas. Et là, on essaye, nous, hein, toujours. Et si ça ne marche pas, on passe sur, on met une sonde d'entraînement en bail-out, mais ça nous arrivera maximum une fois par an. Hein. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on fait de façon exceptionnelle, en fait. Hein. Voilà, après, je sais pas, je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions là, mais je sais pas si vous voulez plutôt en poser ceux qui sont encore là ou si vous voulez que voilà, je réponde progressivement, c'est comme vous voulez. Vous pouvez pas répondre aux questions, si les Alors, questions qu'est-ce les que je plus vois? intéressantes. Je vois Oui, ta moi vie je. sans chirurgie cardiaque sur le site apporte de la salle hybride. Alors, ça, c'est une grosse question en France, hein, puisqu'on veut augmenter il y a beaucoup de centres non chirurgicaux qui veulent faire du TAVI. Moi, personnellement, je travaille dans un centre chirurgical, donc forcément, il y a un petit biais. Mais moi, je pense que c'est fondamental d'avoir un chirurgien cardiaque sur site parce que déjà, ça joue beaucoup sur la discussion du patient. Hein. On le sait très bien, quand on a des chirurgiens cardiaques sur site, on discute beaucoup plus en heart team que quand on n'a pas de chirurgien. On se dit, bon, ben voilà, je vais lui envoyer une image par WhatsApp. Il va me dire, ok, tout va bien, je peux dilater le patient. Ah, donc, nous, le fait d'avoir des chirurgiens, c'est une expertise qui est importante. Même pendant le TAVI, ils ont l'habitude de la valve aortique, ils ont une autre vision que nous, les cardiologues, hein, de la valve aortique. Donc, c'est très important. Je pense d'avoir un chirurgien cardiaque sur site. Après, pour ce qui est des conversions chirurgicales, c'est un TAVI chez lequel on va faire une conversion chirurgicale. Ça nous arrive deux fois par an en général, et c'est souvent pour drainer les péricardes. Alors moi, je le fais en percutané régulièrement, mais c'est quand même beaucoup plus sûr quand c'est fait par voie chirurgicale, et en particulier pour les hématomes de l'anneau, quand on fait des petits hématomes de l'anneau pendant le TAVI, parce qu'ils vont décailloter, ils vont vraiment faire les choses de façon plus global que nous. Donc voilà, c'est le chirurgien a quand même vraiment un intérêt, et l'apport de la salle hybride chez nous, il est intéressant parce que la salle hybride dans laquelle on travaille est fantastique, elle est très grande, elle est spacieuse, c'est une technologie de dernière génération, donc c'est vraiment très très bien la salle hybride, mais on opère et on convertit très rarement pour une chirurgie, et en général c'est pour drainer des péricardes pour lesquelles on a des difficultés en percutané, et là le chirurgien fait quand même beaucoup mieux. Donc voilà, la salle hybride, je pense pas que ça soit vraiment fondamental. C'est mieux chez nous. Si possible, c'est un luxe. Mais c'est pas fondamental de travailler en salle hybride. Et nous, on travaillait avant en salle de cath lab, mais ça se passait très très bien, quoi. Bon, voilà, bon, je pense. Et une autre question que je voulais poser autrement, est-ce qu'on peut enterrer actuellement la transapicale? Alors, dans notre pratique, nous, on l'a enterré. Alors, je ne sais pas si je peux parler pour tout le monde, mais nous, on l'a totalement enterré. Et du coup, on ne fait plus du tout de transapical. Ça va revenir dans pas longtemps pour les valves mitrales percutanées, les valves, pas les valves in-valve dont je vous ai parlé, mais les valves percutanées, où là, on repassera la transapicale au départ, puisque c'est la seule technique qui est disponible pour le Tendyne, hein, qu'on va démarrer bientôt. Donc, on va refaire un peu de transapical. Dans les mains de chirurgiens experts, il y a des chirurgiens qui sont très très forts en transapical, peut-être. Mais vraiment, on a énormément de données, hein, pas randomisées, mais de beaucoup d'essais qui nous montrent que la voie transapicale, c'est pas bon, hein, c'est quasiment comme une sternotomie, hein, pour les suites post-interventionnelles. Donc nous, on l'enterre. On trouve toujours une autre solution parmi les voies que je vous ai montrées. Et dans l'absolu, on n'a pas encore eu le cas, mais le jour où on devra le faire, on le fera. On peut faire aussi les voies transcavales, hein, c'est-à-dire passer par la veine cave, passer de la veine cave à l'aorte au niveau sous-rénal et remonter par là. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il faut un patient qui soit vraiment contre-indiqué à la chirurgie de façon absolue et qui ait malheureusement aucune autre voie. Mais on fera ça plutôt qu'une voie transapicale à l'heure actuelle dans notre centre si ça se présente. Mais comme je vous dis, depuis 3 ans, la situation ne se présente pas avec les devices d'aujourd'hui. Ils sont de tellement bons profils que quand même, c'est devenu vraiment exceptionnel, quoi. Voilà. Je pense que pour les questions que j'avais, là, c'est à peu près tout ce que j'ai. Tout ce que je vois, juste une dernière question sur laquelle j'ai pas répondu, c'est sur quels éléments doit-on se baser pour savoir si une prédilatation est nécessaire ou pas. Donc ça aussi, comme je vous l'ai dit, c'est très très important parce que la prédilatation, on le fait rarement, exceptionnellement. Donc là, j'ai un topo prêt aussi sur la prédilatation. Nous, il y a deux cas, hein. Soit l'aorte, la valve aortique est extrêmement calcifiée, c'est un RAO extrême, plus de 100 de gradient moyen. Voilà, c'est des choses qu'on rencontre pas non plus tous les jours, hein. Et là, on se dit,
on va prédilater parce qu'on ne va pas arriver à franchir la valve. Hein, je ne voulais pas mentionner, mais lorsqu'on a rentré la valve dans le désilé, c'est-à-dire lorsqu'elle est rentrée dans le corps du patient, on ne peut plus l'enlever. Il faut la déployer, à part la corvalve, toutes les autres, il faut les déployer, on est obligé de les déployer. Hein. Si on n'arrive pas à les déployer dans la valve aortique native, on les déploiera dans l'aorte abdominale. Donc voilà, si on pense qu'on ne va pas arriver à franchir la valve avec notre valve S3, ben, dans ce cas-là, on prédilate, très rare. Ou l'autre cas, c'est quand on a des accès aortiques, iliaques, tout ça extrêmement tortueux, et donc du coup on perd énormément de push. Et donc là, on pense encore une fois qu'on ne va pas réussir à franchir la valve parce qu'on a trop perdu de push. Là, on les prédilate pour assurer le passage de la valve ensuite. Donc nous, dans notre pratique, c'est 5% d'état-vie. Et en général, on anticipe, c'est-à-dire que voilà, on anticipe sur le scanner qu'on ne va pas réussir à franchir, ou pendant la procédure, on se rend compte que c'est très compliqué, donc on prédilate. Et dans des cas exceptionnels, on n'arrive pas à franchir. Et donc là, on est obligé de, puisqu'on doit implanter la valve, on est obligé de passer par la voie fémorale gauche, de refranchir la valve, prédilater, et ensuite avancer la valve qu'on avait, qui était bloquée dans, qui n'arrivait pas à franchir, quoi. Donc ça, c'est vraiment une situation qui n'est pas du tout confortable et qu'on essaye d'avoir le moins souvent possible. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, bonjour tout le monde. Merci, docteur Dehaou, de cette belle présentation. Alors, ma question, il y a certains centres où, lorsqu'il y a donc association entre le chirurgien et le cardiologue interventionnel, il y a certains centres où ils travaillent à tour de rôle. C'est-à-dire parfois, c'est le chirurgien qui fait le geste, parfois, c'est le cardiologue interventionnel. Est-ce que vous faites ça, vous, ou bien c'est le chirurgien, il est là pour une autre tâche, bien évidemment, lorsqu'il y a un problème, une complication éventuellement? Non, alors nous, en fait, on est extrêmement inclusif avec les chirurgiens. Et le chirurgien, on est deux, toujours un chirurgien et un cardiologue. Et le chirurgien, ben, dans une matinée où on va avoir trois TAVI, hein, par exemple, bon, il y a trois ponctions, il y a trois proglas, il y a, voilà, etc. Donc on fait, en fait, on fait à tour de rôle. Hein. Et moi, en plus, j'accueille énormément de personnes en formation, en fait, hein, qui viennent se former un petit peu. Hein, et donc eux, souvent, font même à la place du chirurgien, à ma place, les gestes, on les encadre, en fait. Hein. Donc le chirurgien, vraiment, nous, il est là pour travailler et on lui propose de faire toutes les techniques percutanées. Donc la plupart de nos chirurgiens sont capables de faire un TAVI de A à Z en fait. Hein. Bon, à part les occlusions coronaires, s'il faut aller voir les coronaires, tout ça ils font pas parce qu'ils sont quand même chirurgiens à la base. Mais par contre le geste du TAVI, et en fait j'insiste, hein, c'est quelque chose de très simple. Hein. Quand vous allez en faire, vous allez vite vous rendre compte que c'est très très simple. Hein. Le geste du TAVI est très simple et un chirurgien assez rapidement en fait se forme au TAVI. Et donc c'est considéré comme une menace par pas mal de nos collègues hein, interventionnels, parce que voilà, les chirurgiens vont très vite s'y former hein, au TAVI, et nous, dans notre centre, ils sont très très bien formés. Donc ils travaillent avec nous, quoi, ils sont là pour toutes les étapes. Une autre question, est-ce que vous faites une angiographie systématique à la fin de la procédure pour vérifier l'accès? Alors non, ça j'en ai pas parlé, excusez-moi. En fait, il y a des études qui ont été publiées, nous on a voulu la publier, mais c'est trop tard. En fait, nous, on fait toujours un Doppler. On a le Doppler sur la table pour ponctionner. On ferme, on ne fait plus d'angiographie parce déjà, on passe par la voie radiale. Donc, c'était des aortographies avec une picte longue dans l'aorte descendante. Et en fait, finalement, s'il y a un saignement, on s'en rend compte sur le plan clinique. S'il y a une sténose, on s'en rend compte sur le plan de l'écho. Donc, nous, on fait des échographies parce qu'on ne fait pas de rayons, pas de diode, etc., etc. Et donc, c'est prouvé que c'est aussi bien que l'orthographie. Nous, on ne propose jamais d'orthographie systématique, c'est que dans les cas où on pense qu'il y a un saignement ou qu'il y a une complication. Et si votre ProGlide ne tient pas, vous mettez des stents couverts, qu'est-ce que vous Alors faites? voilà, très rapidement, ça nous, moi je me suis formé assez rapidement, je ne sais pas si vous l'êtes, moi je ne fais pas de périphérique, hein, mais par contre je suis tout à fait apte à faire un crossover et à mettre un stent couvert sur les artères fémorales. Je mesure systématiquement sur mon scanner le diamètre de l'artère fémorale commune là où je vais la piquer a priori. Est-ce qu'elle fait 6 mm, 8 mm, 10 mm? Et je sais comme ça, si j'ai une complication, quel stent couvert je vais utiliser. Donc, s'il y a une complication, comme nous, on passe par voie radiale, on pique vite l'autre fémorale, on fait un crossover et on met un stent couvert. Ça nous arrive ça de temps en temps, malheureusement, mais c'est quelque chose qui est devenu banal et on y est très. Enfin, je ne sais pas si vous êtes formé, mais vous allez très très vite vous y former également, quoi. Une question aussi à notre ami Fourali, qui est. Est-ce qu'il est avec nous, notre ami Fourali? Il était là, notre expert en vasculaire. Il s'est intéressé au ITS, lui, au ITS, à un certain Ouais. moment. Est-ce qu'il y a une étude un petit peu avec le transcrânien et le TAVI, pour voir, puisque vous parliez un petit peu de micro-embole. Oui.
Alors, pour Il le n'y a don pas une de étude leur concrète qui a crânien, je été ne sais faite? pas. Il Non. y a eu des IRM. Moi, à ma connaissance, il y a eu des études IRM hein, qui montrent qu'il y a toujours des petits embols après ces heures d'intervention. Mais par contre, en Doppler transcrânien, j'avoue que je ne connais Ah, pas très, d'accord. très bien ce domaine. Voilà peut-être une petite étude à faire. Y a beaucoup de choses à faire. Nous, on continue à travailler. Hein. On n'arrête pas d'essayer d'améliorer les choses et ça s'améliore. Et donc, il y a encore énormément de choses à faire. Et si vous rentrez dans un programme de ta vie, n'hésitez surtout pas à nous contacter parce qu'on a Là, plein on a plein très de bien, cohortes, on a plein de registres, très on essaie bien, de tout très bien. colliger, quoi. Donc, eh ben, là, on va pas abuser de votre temps et de votre gentillesse. Non, c'est avec plaisir, hein. Je ne sais pas si vous avez mes coordonnées, je ne les ai pas partagées, mais vous Oui, savez bien que sûr. n'hésitez surtout pas à me contacter par mail. Et moi, c'est Très bien. DEHAROPierre, DEHAROPierre, tout attaché, Super. @gmail.com. Hein. Vous n'hésitez surtout pas s'il y a d'autres questions, s'il y a des choses à clarifier, une autre intervention. Moi, c'est vraiment avec plaisir. Hein.